Eh bien, salutations à tout le monde, scène 27, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur Prince of Persia. Donc, précédent épisode, on a en gros fini le tuto. Alors, on va essayer déjà de se rappeler des touches. Ah, pour contrer ici. Ok, bon, je m'en rappelle à peu près. Sacré. Déjà venu? Non, mais les écrits parlent. C'était le palais du roi Darius autrefois. Religion, médecine, astrologie, géométrie, algèbre, tout le savoir était ici, accessible à tous. Le mont Kaf abritait l'immense citadelle de la connaissance, fierté de toute la Perse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'en est jamais revenu pour le raconter. Et c'est là que le prince Hassan est pris au piège. Difficile de dire ce qui nous y attend. Difficile de dire ce qui nous... Ok. Ok. Bon, j'espère qu'il n'y a pas des trucs à trouver bien planqués, quoi. Mon avis, si, mais peut-être pas tout de suite. C'est quoi cette magie? Je suis guerrière, Sargon, pas mage. Figée en pleine chute. Comme si le temps s'était arrêté. Oui. Au lieu de découvrir. Ah, attends, je peux pas y avoir moyen de. Ah, voilà. Il m'avait dit rester appuyé sur X. Voilà. Pas y accéder encore. Pour plus tard. Pareil, là-haut, je pourrais pas m'accrocher pour l'instant. Soyez vigilants, le prince Hassan ne doit plus être loin. Cet endroit ne me dit rien. Nous devrions rester prudents. T'as raison, Ménolias. Va vite te trouver un trou et planque-toi comme un cloporte. Je ne plaisante pas, Orod. Je ressens une présence bizarre. Oui, je le sens aussi. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Allons-y! Varam, c'est le corps d'Azad, un soldat d'Ardashir. Ses chairs sont putréfiées depuis longtemps. C'est impossible. Ils sont partis juste avant nous. Nous ne sommes pas les bienvenus. Soyez sur vos gardes. Retrouvons le prince et Anaïta. Allons vers l'est. Non, je ne crois pas. Tu vas me faire perdre mon temps. Débrouille-toi tout seul.
Allez, viens là, le cooking. Salaud. Ah, le petit coup de pied de racaille, je kiffe. Hein. Trop court, mon Allez, dégage. Alors, attendez. Je pense qu'il faut que je passe par là. On va aller juste là-haut. Alors. Reste appuyé. Pourquoi il fait. Mais des vieux coups. J'arrive pas à... Mais tu vas rester appuyé comme ça en fait. Je sais pas pourquoi il... Ah, faut... J'ai pas envie. Ah, ça me saoule. Bon. Ah, ça marche pas, j'ai pas le, truc encore. Ah, dégage. Oh, le bâtard. J'étais pas bien niveau vie. J'étais pas bien. C'est juste un docu quoi. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Bâtard. Quoi en dessous? Je peux descendre par là. Non. Bon. Ah, plus tard. Ah, ta race. Meuf, ça me régale ce truc. Ah, mon avis, je peux pas y aller, mais on va essayer quand même. Faudrait un double saut, je pense. Ah, je pense qu'il me faut un double saut. Ouais.
Compliqué d'y aller pour l'instant, sans double saut. Allez, dégage toi. Oh les bougres. Et casse-toi. Oh, s'il me dit d'aller là. Bon. Évidemment, je peux pas y aller pour l'instant là-bas. À quoi ça? A donné une potion, je crois. Qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux ici pour une enfant. Ne t'inquiète pas pour moi. Je connais cette citadelle mieux que personne. J'en connais chaque recoin. Je peux me faufiler là où personne d'autre ne va. J'ai déjà parlé et discuté avec chaque créature. Et je connais tous les arbres ici. Comme celui-là? Ils sont tous comme ça? Ceux-là sont spéciaux. C'est des arbres wak-wak. Leur attrait est absolument pur. Il suffit de se mettre sous leur frondaison pour restaurer son énergie. On trouve des arbres wak-wak un peu partout au Mont Kaf. Dis-moi, tu as l'air de savoir tout ce qui se passe ici. Nous sommes à la recherche de soldats comme nous. Notre prince est mené par Anaï, un général. Est-ce que ça te dit quelque chose? Un prince? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de prince par ici. Je n'ai vu que toi. En tout cas, si tu cherches un de tes amis au Mont Kaf, alors il te faut un œil du vagabond. C'est quoi? Un objet très rare et très ancien. Tiens, pour toi. Œil du vagabond. Cet œil de verre magique permet aux cartographes de tout le monde. Vas-y, essaie. Merci. Voilà. On fait une mini-map. Alors, 26. Là-bas, il y a un diamant. Il y a un de papier, il y a un truc rond. Bon. Ça commence bien, j'ai déjà... Après, je n'ai pas trop le choix, à vrai dire, pour l'instant, je pense. Je t'ai pas montré comment te rappeler de certains lieux où tu vas passer. J'ai de valeur obtenu fragment de mémoire permet de capturer des images. Gorge de passage et trésor inaccessible auquel et quand vous trouverez les nouvelles capacités, il est important de mémoriser tous ces lieux. Utilisez des fragments de mémoire pour capturer une image de l'environnement qui sera automatiquement enregistré sur votre mini. Votre carte. N'oubliez pas de capturer également des images. Et la carte va venir plus tard. Ok. C'est comme ça que tu marques qu'il y a un coffre. Merci dans la zone. Okay. Je connais même pas ton nom. Je m'appelle Fariba. Et toi? Faritas? Sargon. Je suis un guerrier, un immortel. Rien que ça? Alors. Sargon, c'est sûr qu'on va se recroiser au Mont Kaf. Je partagerai mes découvertes avec toi si tu veux. Mais en échange, tu me donneras des cristaux de temps. Des cristaux de temps? Bienvenue au Mont Kaf. Ah ok, par contre ça... Ok, je vois. Allez, me fais pas le coup là. Attendez.
Après un beau sprint du quartier. Ouais, bah nique ta race. Ah, je peux pas. Je me suis fait enculer par un vieux archer. Le bâtard. Le bâtard m'a enculé. J'ai vu le truc trop tard. Bon, par contre, comment j'y vais? Pour le baiser, lui. Vas-y, ça me gave. J'arrive, mon petit pote. Allez, dégage. Oh. Ah oui, bah oui. Coincé comme une merde. Je suis en train de me faire lâcher là. Je suis en train de bien me faire lâcher. Il y a deux vieux ennemis, je me fais éclater quoi. J'aurais pas souvenir que t'étais là toi, mais pourquoi pas. Je sais pas à quoi ça sert ces fragments là. Sûrement les fragments de temps que l'autre elle veut. La blague. Je vais voir un truc si je retourne là-bas, voir si ça fait une sauvegarde. La zone. Ou si ça m'en fait revenir les ennemis. Ouais, ça me fait revenir les ennemis. Si tu veux farmer, potentiellement tu peux quoi. Va te faire enculer toi. Putain. Ok. J'ai un raccourci quoi. Eh bien, reviens.
Petit enculé. J'ai l'autre là-bas là, qui essaye de t'enculer, tu sais. À quoi ça sert ce le fait que ce soit bleu quoi. Vas-y, on va sauter. Okay. Peut-être ça. Oh, c'est... Putain. Attends, du coup, j'ai envie de voir là-bas, quoi. Génial. Vous allez voir, je vais crever comme une merde. Alors, tu as trouvé des traces de Hassan et Anaïta ? Non. Non. Et toi ? On dirait qu'ils ont évité les profondeurs de la citadelle. C'est dans ces profondeurs oubliées qu'on trouve les pires créatures. Normalement, ce genre d'endroit ne me déplaît pas, mais Hassan n'est pas par ici. On fait fausse route. Merci, Rajen. Ouais. Ça brille, là. Ouais, quand même. Objet de collection, miroir. Dernier fissuré, l'inscription n'est que partiellement visible, long cœur par reflet. Ah, des sticks mou, oui. Je suis bien là avec ma vie à zéro. Je le sens pas. Hein. Surtout avec mon ma vie de que j'ai. Typiquement, je me fais toucher une fois. Ah voilà. C'est pas où je vais pop, mais ouais, c'est puis non, mais c'est une blague ça par contre. Bon. D'ailleurs, je faut que je retourne en faut que j'aille en haut. Génial.
soit qui a pas voulu sauter. J'ouvre les nazes, moi je vais aller voir là-haut, sur la quête à Bobby. Que j'ai un truc pour vous harponner ou un truc comme ça. Loulou là. ok, c'est bon, j'ai le truc. Casse-toi. Bon, encore une zone où faut pas que j'aille. Mais bon. Vas-y, hein. Faire tuer ailleurs. Ah, c'est vite dur, je peux pas y aller. Ouais, vivement un double saut, hein. Infernal. À la porte du Simorg. Anaïta, ne touche pas à Hassan. Si c'est le prince Hassan que tu veux, alors viens le chercher. Anaïta. Anaïta était juste là il y a un instant. Elle emmène Hassan à la porte du Simorg. Peut-être bien qu'Artaban avait raison, elle veut s'emparer du trône. Et ça, au-dessus. C'est quoi ? Je sais pas. Mais si on veut rattraper Hassan et Anaïta, il va falloir le détruire. Trop loin. Pour toi comme pour moi. C'est Ménolias qui pourrait nous aider. Varam l'a envoyé en reconnaissance dans la forêt. Je vais essayer de le retrouver. Je cherche un autre passage. Yeah. Quoi ça en rouge? On va aller sur la droite. Hein. Oh, ça brille là. Il me reste pour plus tard, il va me donner un arc. Qu'il y a un truc pour sauvegarder ici. Qu'est-ce qui t'amène ici, voyageur? Mes frères d'armes et moi sommes à la poursuite d'un traître. Alors, toi et les autres êtes également piégés ici. Le mont Kaf amène son lot d'aventuriers. Beaucoup se perdent dans la malédiction du temps. Prends garde, guerrier. La mort et la misère rôdent dans la citadelle. J'ai déjà regardé la mort en face. Même le guerrier le plus déterminé doit être préparé. Prends ceci. Elle a des propriétés uniques qui peuvent t'aider. Chaque amulette est précieuse. On peut seulement en changer à un arbre wakwak. J'en ferai bon usage. Je
augmente la santé des porteurs de vie, ajoute aux arbres. Ok. Bonjour. Alors. Capacité, ancienne monnaie, c'est pas à quoi sert. Je mets les dégâts liés à l'empoisonnement, amélioration. Vraiment les soins et la des potions, le nombre de potions. Économiser. Hein. C'est pas un arbre là justement. Ah quand même. Ah bah je peux en équiper plusieurs, ça va, c'est cool. Ok. Déplacement rapide, comment on fait? C'est bien, je veux bien, je m'en fous de voir, mais... Des marqueurs. Genre tu peux pas te TP rapidement là sur les arbres. On prend un con quand même. Pour le fils de pute. On va voir combien il rapporte. Il rapporte rien. Même si je voudrais le farmer pour atteindre les 500. Genre, attends, je crois qu'il m'en rapporté 4, hein, un truc du genre. Tu sais quoi? Je peux même pas lui faire le coup. J'étais quoi, 79. C'est pas fou, hein. Là, j'aime bien acheter une potion en plus, quoi. Avant de partir. Fils de pute. Ouais, il ramène 10 quoi. Ouais, c'est pas fou. Hein. Bon. On va arrêter la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à vous abonner à la chaîne. Dans la description, vous avez mon Instagram ainsi que ma chaîne secondaire qui est une chaîne automobile que je fais avec mon ami. Les vidéos sont disponibles en 4K. Et pour faire un petit teasing de ce qu'on a posté actuellement, il va me tuer. Il va me tuer. Hein. Posté actuellement comme vidéo, il y a de la BMW M2, de la Honda S2000, de la Nissan 370Z, de la Porsche 911 GT3 992. Ce sont les toutes dernières Porsche. Et plein d'autres choses qui arriveront par la suite. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description si vous aimez l'automobile. Et nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. C'était N27. Allez, ciao tout le monde, bye.